Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est la suivante. Pourquoi sommes-nous traversés par différentes humeurs? Alors cette question, je me la suis posée à moi-même parce que depuis quelques jours, c'est comme si j'avais un ciel bas dans mon esprit et que le soleil n'arrivait pas à percer. Et c'était absolument sans raison. Alors sans raison apparente évidemment, parce que je suis en grand travail intérieur, très profondément, et donc il y avait des choses plus ou moins agréables qui émergeaient. Sans raison là aussi, sans raison apparente, sans lien avec ce que je pouvais vivre au quotidien, mais il y avait la tristesse qui remontait, des peurs aussi, des angoisses, pas de colère, c'est déjà ça. Mais voilà, et c'était complètement incontrôlable, non maîtrisable et non maîtrisé, et j'attendais juste que le soleil perce les nuages. Je sais par expérience que, évidemment, même s'il y a beaucoup de nuages, même s'il pleut, eh bien, le soleil est toujours là, donc j'attendais que le soleil perce les nuages. Et je me regardais un peu dans la glace et j'étais étonnée par mon regard triste, c'est assez rare chez moi. Et pourtant, c'était là. Et donc, c'est vrai que cela demande une grande acceptation hein, de ce que l'on vit et puis aussi de croire et d'être certain qu'il y a ce fameux principe de l'impermanence. Et oui, il pleut parfois, puis ensuite il fait beau. C'est ainsi, c'est une des lois majeures de notre vie sur Terre. Donc, moi je savais que les nuages étaient là, mais je savais que le soleil allait revenir. Alors, il faut savoir parfois laisser ses émotions enfouies, remonter à la surface. Ça permet un très grand nettoyage et ça permet ensuite, justement, au soleil de revenir sur le devant de la scène. Ce qui est le cas aujourd'hui, et aujourd'hui, mais j'aurais envie de dire toutes les 5 minutes que la vie est formidable, et pourtant, je vous assure, je n'ai aucune raison particulière de le dire, rien ne s'est passé de spécial dans ma vie pour que je dise ça, mais j'ai une joie au cœur incroyable, et je trouve que tout est formidable, tout, la vie est formidable. Et c'est tellement bon, justement, de retrouver le soleil après les nuages que ça me met dans une joie absolue et c'est tellement agréable. Donc, la prochaine fois que vous êtes vous aussi traversé par des humeurs un peu particulières, pas très sympathiques, dites-vous aussi que les nuages sont là, mais le soleil aussi, et qu'il va finir par transpercer cette couche grise et enfin venir rayonner. Et vous aussi, vous trouverez que la vie est formidable. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.